Bonjour, internotatrices et internotateurs, ici Gelden pour les Jeux du Cygne. Nous retrouvons notre colonie. Ah, un colon inactif, ça tombe bien, ça va pas durer longtemps. On a dit lors du dernier épisode qu'on allait se balader. On allait se balader, on va aller explorer une machine secrète. On va aller chercher, fouiller un complexe caché. Ah, 13 jours, 7 impériaux, c'est quand même vraiment beaucoup. Qu'est-ce que j'en fais de... Je vais d'abord faire la fouille d'un complexe caché. Si c'est une quête que je crois que j'ai déjà faite. Voilà, où ils vont nous envoyer une navette. Voilà, ça se fait vite fait, ça peut être sympa. Hop, donc la navette part dans un jour, deux terminaux à pirater. Hop, on va attendre que la navette arrive. Elle est là. Tac. Donc, il faut que je sélectionne 10 colons. 10 colons pour s'occuper des recherches, sachant qu'il va y avoir un peu de combat. Et c'est bien d'avoir, comme il y a des trucs à pirater, c'est bien d'avoir des intellos. Alors, chercheur. J'ai scorpion qui est pas trop mauvais. Et je vais prendre. Je vais prendre Zikino, je pense. Ouais. Je vais prendre Zikino et je vais prendre scorpion déjà. Tac tac. Donc ça fait deux. Je vais garder Papillote par ici. Je vais prendre Musarasa et Akatsuki. Ça me fait 4 coques. Je vais prendre Célestine. Je vais prendre Mangazor. Ardarine, je vais le laisser ici pour qu'il termine son taf. Je vais prendre Laurier Postlevêque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et Broudaf qui est un bon soigneur, le cas échéant. Mais normalement, je vais pas avoir trop de combats. Ah, là, ça fait 9. Je vais pas compter. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nier. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il a fumé la moquette. On va les faire rentrer dans la navette. On verra ce qu'il en dit après. Allez, Ardarine, tu peux le faire. Il ne te reste plus que 1280 travail restant. Enfin, un tic de travail restant. Hop. Bon, requis 10 colons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Scorpion, il est là. Damnamite, elle est là. Musarasé, il est là. Akatsuki, il est là. Célestine, elle est là. Mangador aussi. Glory, Oslovette. Broudaf. Broudaf, il est pas dedans. Ah merde, Broudaf, il est en caisse. Il est en boîte. Je suis con. Dans les soigneurs corrects. Eh ben, ce sera Morgane. Monsieur Morgane va monter dans la navette. Hop. Allez, c'est parti. Bim. Ouh, il n'y a plus personne tout d'un coup. Qu'est-ce qu'il me fait là? Fusil à pompe automatique, très bien. Est-ce que par le plus grand des hasards, fusil d'assaut? Oui, j'en ai un, mais je les ai juste pas donnés. Toshiro, tu pourras peut-être aller choper. Hop, un excellent fusil d'assaut. Hop, et voilà, ma navette est arrivée. C'est un peu long à charger. Bim. Alors.
Il faut que j'aille explorer ce complexe ancien là. La navette est ici. Il flotte comme vache qui pisse. Bim. Voilà mes gigas. Mon complexe ancien, il est là. En général, ça saute dans tous les sens. Tac. Ouais, donc j'ai 4 jours pour nettoyer ce site ancien. Alors le seul truc, attends, j'ai quand même... que le souci, c'est que je suis en train de réaliser que je suis parti sans herbe. Si jamais j'ai des blessés, ça risque d'être la merde. On va tout récolter, tout ce qu'il peut récolter, je vais le faire. Le cas de... pareil, j'ai pas de bouffe. Ça va bien se passer. Au pire, je coupe des arbres, je chasse, et puis... Hop, voilà. Allez. Tiens, Katsuki, elle n'a pas d'armes. C'est pas tout à fait normal, ça. Ah, bordel. Alors, hop, 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 hop. Ancien nœud de convistin instable, et ben... On pourrait le faire sauter, le nœud de combustion instable. Est-ce que je peux passer là? Tocotom. Sans réveiller les gens. Là, j'ai rien d'intéressant. Les mécanoïdes se réveilleront dans 14 heures. Les mécanoïdes commenceront par avoir chaud. Hop, bon. Ça c'est pas mal parce que comme ça, ramasser. Hop. Oh merde. Bon, attaquer. Bim. Merde oui. Hop, hop. Je savais bien que ça allait être la merde. Tac. Dynamite. Attaquer l'ancien corps à corps. Tac, attaquer piqué encore à corps, tac, même si t'as pas d'armes, tac, 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 Glory, hop, là, et là, boum, oh là là, quelle efficacité, bordel, oh la vache. Balèze les gars. Franchement trop GG. Il y a juste ça qui m'inquiète un peu parce que ça va péter tôt ou tard. Bon, bah ça va. Franchement, nickel. Est-ce que ça va ne pas péter là? Oh putain, ils sont encore là. Et là, il y a également un ancien nœud de combustible. Est-ce que je peux? Ouais, j'ai pas envie de tester. Est-ce qu'il faudrait. Ah oui, ça c'est le bug classique. Enfin, le bug que j'avais la dernière fois, je peux pas. Hop. Je peux pas percer les murs. C'est chiant. Tac. 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 Un ancien terminal, oui, ça j'ai repéré. Merci. Tu vas me péter ça, toi. Bim. Allez, tac. Dynamite. Attaquer. Boum. Putain. Ouh, là, il a pris plus cher, par contre. Bien, tant que ça saute pas, ça m'arrange. À la limite, je vais tout de suite mettre Zikino au piratage. Bim. Tac, tac.
On va faire des trous histoire que. Ah voici. On va faire des trous. Mes distances. Tac, 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 tac. Vous allez mon attaquer ça. Toi, éviter de te prendre une bastos pour rien. Voilà. On fait un petit trou, il fera moins chaud. Et ensuite, on re-rentre là. Tac. Alors, on va y aller doucement. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Encore des piquets. Putain. Hop. Scorpicon, tac. Hop, Damnemit, tu vas aller sur lui et Akatsuki ici. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je leur fais mal? Alors, il me reste la dernière pièce à explorer. Il fait quelle température? Il fait 9 degrés là-dedans, donc tout va bien. Il reste. Je vais d'abord Akatsuki, tu vas aller mourir ça. Hop, hop, hop. Voilà, on va y aller en force. Et il n'y a rien là-dedans. Bon, ben du coup, mon deuxième chercheur là-dedans, c'est Scorpion. Scorpicon. Hop, allez, pirater ça. Et les autres, ouais, ça va être vite fait. Hop, hop, hop. J'ai rien d'autre à faire, de toute façon. Qu'est-ce que j'allais? Un œil bionique? Cool, ça. Franchement. Hop. Ils ont fini, ils feront un trou dans le mur. Vikino, hop. Ancienne combustible. C'est lequel qui est sur le point d'exploser là? Ouais, c'est lui. M'en fous un peu. Tac. Rejoindre les copains. Allez, allez. On va faire un trou dans le mur. Tac. Et on va sortir. Bim. Nickel. Là, c'est lequel? C'est celui-là qui va péter. Non, pas par là. T'as raison. Hop. Allez, on se barre. Nickel. L'ouri qui est sur le point de péter un câble. C'est pas cool. Notre combustible explosant dans 1 heure. Je m'en fous. Raid. Ouais, quand même, c'est loin. Où est-ce que je suis, moi? Je suis là? Non. Je sais plus où est-ce que je suis moi. Où est-ce que c'est ma maison? Là. Moi, je suis là. Yeldenbourg. Voilà, complexe ancien. Il valait mieux y aller à coup de navette. Hein. T'as la navette qui se pose en plein milieu de la flotte. Non, c'est du marais, ça. Hop, et voilà. On rentre à la maison, qui est achevée. Top, on voit. Oh, elle est belle, la navette. Broum.
Enfin, pas broom, mais... Tac. Ah, mais putain, j'ai toujours pas assez de courant. Mais chier. Bon. Il faut que je me fasse plus de courant. Alors. On va se faire. Il faut que j'utilise ça, quoi. Mais dans ce cas-là, il faut que je le protège. Il faut que je me fasse donc hop, un générateur géothermique. Et puis ce qu'on va faire, c'est structure. On va faire un mur en granit. 35, ouais, non, j'ai pas assez de granit. Bon, on va faire du calcaire pour pas changer. Hop. Tac. 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 On va juste pas faire. Le dernier petit bout. Et on va préciser que on veut pas de toit parce que sinon il fait beaucoup trop chaud dedans. Hop, voilà. Boire d'arine, 13,50. Ah, c'est les hommes zéniths. Hop. Ils peuvent faire la teuf. Tac. Tac. Et tac. Ça va être l'heure de faire la teuf. Va me terminer ça, toi. Non, tu vas pas te reposer. Hein? Espèce de feignasse. Tac. Voilà. On va voir si c'est une chambre en ligne, ton truc. Yeah, sélectionne-moi ça. Pour Monsieur Ardarine. Est-ce que Monsieur Ardarine trouve toujours que sa chambre est en ligne? Eh ben non. Non, c'est là ton lit maintenant. Est-ce qu'il me reste du tissu? J'ai plus. Non, j'ai plus de tissu. C'est le drame. Je vais bientôt en avoir. Allez, tac, on accélère. J'ai jamais compris pourquoi il y en a qui sont vert clair et d'autres qui sont jaunes. Si jamais vous avez une explication, je veux bien vous me les donner. J'aurais pu éviter l'arbre. Papillote, grande coupeuse devant l'éternel. Agriculture 2,07, c'est bien. Je vois que ta conversion qui est dispo. Et là, un jour. On va attendre un peu. Hop, est-ce que j'ai suffisamment d'acier? Oui. Est-ce que j'ai suffisamment de composants aussi? Les mecs, ils se font tout le tour, mais non. Oh, putain, ils se foutent de ma gueule. Ils sont ça. Ah, c'est qu'ils n'ont pas encore apporté assez d'acier. Hop, voilà. Un peu de coton, parfait. Histoire de terminer, 76%. Hop. Pour Ardarine qui fait les allers-retours là. La quête expire dans 24 heures, ouais, bah, j'en veux pas. J'en veux pas, vous êtes trop nombreux, j'ai pas envie de m'emmerder. Je vais accepter ça et puis je vais le faire dès que j'aurai suffisamment de courant. Alors, où est-ce que c'est?
C'est juste à côté. Non, tu vas. Hop, tu vas me te dépêcher. Non, tu vas faire. Putain, Ardarine. Pourquoi est-ce qu'il a pas voulu me le faire? C'est pas grave, on va dire. Ça, par contre, il n'y a pas de repos. Tac-tac-tac. Travail restant 4. Non mais sérieux quoi. Non mais sérieux quoi. Il se fout de ma gueule, je te jure. Ouais, ça doit consommer un peu d'électricité, je pense aussi. Tissu 36, ouais, on va les garder. Alors, on va faire la teuf sauvage. Ah non, mais attends, les hommes zénistes, c'est pas moi. C'est Arkil me complet. On va pas faire la teuf là. Non mais oh. Bon pour qui? 29 jours. Un rat enragé. Il attaquera n'importe qui. Il va aller se prendre dans un. Comment ça va faire se prendre dans un piège? Il sera nettement moins enragé ensuite. Et Squeak? Squeak le rat. Vous connaissez l'histoire de Squeak? Et ben voilà, Squeak le rat. Attends, mais mec, c'est en plus? C'est de ma gueule? Vache! Avec une usine géothermique en plus, enfin, générateur géothermique en plus, j'arrive pas à tout éclairer. God damn. Bon, ok. Ok. Boum, tempête d'éclair. Je m'en fous. Bon. Alors, bon, c'est un peu pénible, mais où est-ce que je vais pouvoir me mettre sinon? Là, j'ai deux autres puits géothermiques. C'est contrariant tout de même. Tiens, là, j'ai du granit. Ordre. Il se foutrait pas un peu de ma gueule là. Bon. Pas compris. Donc. Métal, il m'en reste combien? 282. Je vais peut-être aller en chercher un peu aussi. Tiens, là j'en mets. Marbre, j'en mets là. Granit, tac. Marbre, tac. Bon, tout ça, ça me dit pas où je vais aller chercher plus d'électricité. Il y a quoi? J'ai pas de vent là. Il y a une tempête, mais il n'y a pas de vent. Faudrait pas un peu de ma gueule, oui. Au feu, les pompiers. J'ai terminé. Très bien. Ah, une ruche mécanoïde. Ah,
Un raid d'une ruche mécanique. Bon, là, je m'en fous un peu. Alors, venus sont arrivés à proximité, approchant de plusieurs directions à la fois. Ils se prennent par contre un certain temps d'attaquer. Et je peux les boomer avant. Alors, et puis là, c'est pas mes pauvres défenses à la noix qui vont faire grand-chose. Hein. Là, il va y avoir du sang, je sens. Oh. Ah non, pas un centipède. Bon. Mes gars, ils sont efficaces, mais peut-être pas à ce point-là quand même. Bon. Qu'est-ce que je vais faire? Tiens là. Tac. Ordre, Venminer. Tac. C'était pas énorme. Ok, bien. Comment je vais gérer ça? Là, il va falloir que mes cacs interviennent. Je sais pas quelle est la portée de ces trucs. Mais c'est grand. Ouais, donc clairement. Comme ces bestiaux seront là, il y en a un qui pourra se planquer, me tirer dessus. Mais les autres devront s'avancer. Ok. Bon. Je vous avais dit que cet épisode serait un peu plus actif. Bon, Daf, tu sors dans combien de temps? 16 h. Le feu aura déjà. Le. Ouf. Ouais, ils vont très vite être sur place quand même. Ouais, barre-toi. Barre-toi, papillote. Ouais, c'est pas terrible en fait. Tac. Tac. Il faut que je mette tout le monde en safe zone. Voilà. Ah, on récupère du cacao et du bois. Rajeunissement demandé pour mousse à raser, pour scorpicon. Berg. Oh putain, j'aurais voulu faire exprès, j'y serais pas arrivé donc. Juste ça qui va être un peu chiant. Et puisque là. Ce sera un autre problème. Dans combien de temps l'assaut va-t-il démarrer? Peut-être dans pas très longtemps. Donc on va peut-être. Non, Brodafi. Yep. Nous avons heurté machine contactée. Ben, je sais. C'est moi qui te l'ai demandé. Allez, c'est parti. Hop. Wake up, Neo. Alors, merde, Akatsuki, t'es là. Il faut que tu récupères une arme au passage. Est-ce que je n'ai pas toutes revendues? Merdouille. Merdouille. Weapon. Mêlée. Putain, le con. Quel con. Bon, bah tu vas m'équiper un fusil automatique, c'est un peu débile, mais c'est ainsi. Bon, en même temps, t'es mon moins bon cac. Attends, je peux me mobiliser et me faire équiper un fusil automatique, et ensuite, je lui demanderai de venir ici. Alors,
Scorpicon, ici, Damnamite, là, Papillote, là, Smoy, là, Moussarazé, là. Célestine, tous nos espoirs sont en toi, ou presque, Ardarine aussi, Mangazor, tac, Loury, ici, non, Loury, ici, Poslovet, là, Toshiro, tac, Onyx, pourquoi il veut pas venir là? Il est Onyx. C'est quoi ton problème? Je sais pas. D'accord, c'est bon. Vikino, Morgane et Smarty. Ta merde, Célestine, tu peux pas tirer là? Ouf! One shot d'Ardarine! What the fuck? Oh là 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 là, perçant le coup d'Ardarine! Oh la vache! Non. C'est Onyx du coup qui en hérite. C'est vraiment trop triste. Oh les enqueux. Bon. Sniff. Sniff, sniff, sniff. C'est vraiment trop Christ. Bon, fuck. Ah, je gère les choses n'importe comment, ça m'énerve. Damnamite, il se fait défoncer. Oh là 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 là, quel drame, bordel. Putain, et j'ai un centipède qui débarque ensuite, quoi. Moussarazé va me secourir Damnamite. Planquez-vous les autres. Planque-toi. Oh putain. Genre. Genre, il a ouvert quoi. C'est la fête du slip. Ah mais merde, oui, non, je sais pourquoi il a ouvert. C'est parce qu'il y a ça qui empêche la... Il est trop lourd. Super. Ouais, t'as raison. Ah!
Bim, putain, il est efficace quand même. Hein. Bon, ensuite, il y a juste un centipède à gérer. Facile. Hop. Il dit quoi? 8 conditions. Il faudrait juste que je vire ça d'urgence. Onyx, tu vas aller me soigner d'Emnamite en urgence. Bon, il a rien perdu. Moussa rasé, tu reviens. Moussa rasé. Il peut pas le transporter sur un ordre classique. Il faudrait que j'arrive impérativement à fermer cette porte. Attends, alors sinon, je les écarte. Bon. Non, sinon, attends. Comme de toute façon, on va aller. Tocotocotum. Laurie, tu vas m'équiper un fusil à pompe automatique. Ton Scorpicon, ouais, non, si j'ai besoin de lui, quoi. Il est tellement efficace que. Hop, allez. Donc, tous ceux qui peuvent vous tirer dessus. Et les autres, putain. C'est tellement violent ces saloperies. Hop, tirez. Hop, hop. Lui tirer dessus, s'il vous plaît, merci. Merde, mon gazor. Oh putain. Scorpicon, je t'ai demandé d'aller au CAC, bordel de merde. Putain, mais vous avez raison, faites du Friendly Fire, c'est ça qui est bon. Oh là là, et le Kyros est coincé comme un con. Bon allez, c'est géré. Plus d'action, parfois ça fait bobo quand même, hein, secourir. Célestine, tac, va me secourir. Ah non, papier, c'est bon, il s'est sauvé tout seul. Va équiper le marteau et va te soigner. Fucking shit. Hop. On me transporte tout ça en urgence. Hop. Et il faut que je me fasse, bah, du coup, quelle tristesse pour Ardarine! Qu'est-ce que tu fous, toi? Mais qu'est-ce que tu fous à te déplacer, là? Se reposer jusqu'à guérison complète. Qu'est-ce que tu fous à enlever ta... Pourquoi t'enlèves ça, Coco? Ah, c'est que ça devait faire moins de 50%. Bon, Tu vas où là? Tu vas faire de la musique? Bah oui, t'as raison. Putain, mais qu'ils sont cons. Pourquoi je fais pas des bandes toi? Tac, et boss level. Ah. Se déplace. Mais ils sont. Mais... Bon, patient, je vais le passer en 1. C'était peut-être pas. Attends. Tac, tac, tac. Je peux tout faire d'un coup, je crois. Mage plus clic. Ah mais merde, d'accord. C'est, je sais, j'ai compris. Il faut que je repasse en... tac, tac, tac. Sauf bah, Damnamit, Lori. Et... C'est qui mon troisième? C'est qui mon troisième? C'est... Donc j'ai Damnamit qui est psychopathe. J'ai Zmoy et Lori. Non, Mangador. J'ai tout faux. Donc c'est pas Lori, c'est Mangazor.
Zmoy et Danit. Ok, bon, bah, quête échouée. Bah oui, tu m'étonnes, quête échouée. De propriétaire foncier, héritage du titre. Raid à la con! Pourquoi est-ce qu'il me dit que j'ai pas de place pour le cadavre? Le mécanoïde, il peut les stocker. Bon. Faut se lever, c'est bon, c'est bon. Zmoy, mais qu'est-ce que tu... Tac, Akatsuki. Akatsuki, là. Bon, alors, il va falloir qu'on se crée une petite zone un petit mémorial bah, dans le... c'est dans quoi? C'est là, un petit sarcophage. Une stèle. Une énorme stèle quand même pour Ardarine. Tac. Tac. Si jamais il y en a un autre. Sniff. Et quoi, Onyx? Elle pionce? La gueule. Katsuki. C'est bon. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font? Bon. Dame Namit n'est plus incapable de marcher. Bon, du coup, je suis pas allé chercher mon psychotique papillette. Bah ouais. Sachant qu'en général. Allez, un petit feu là. Petit incendie. Tout petit incendie. Eh ben les insectes, on verra ça plus tard. Hein. Saloperie. Bon. Constructeur. Toshiro. Pionce. Damnamite qui récupère. Moussaravé. Si t'allais me faire ça là, feignasse. Ouais, travail va rester en 1400. On va peut-être enterrer temporairement. Tac. On va faire une petite tombe. J'ai pas de. Ou sinon il faut que je le mette au frigo. Je vais le mettre au frigo. Tu vas me mettre les cadavres d'humanoïdes, mais uniquement les colons. Hop. Voilà. Oudaf, tiens, t'es sorti de ta boîte, toi. Hop. Est-ce que tu m'emmènes? Ah. Non, je veux pas là que tu me mettes les colons. Tac. Interdit. Tac, tac. 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 Voilà, on va mettre au frigo, histoire de faire en sorte que
Ils pourrissent pas. Tristesse. Ça va durer des plombes encore. N'appartient à personne. Nul. Zut, il faut que je mette un... Non, c'est pas dupliqué, c'est déplacé. Faudra que je mette plus tard. Perdu. Ça doit consommer une blinde, non? Énergie requise, 50, 200 qu'activée. Folie furieuse. Oh putain! Pourquoi est-ce que... Ah oui, ta sœur qui est morte, oui, bah... Des choses qui arrivent. Mousse rasée... Bim. Là. Scorpicon, tu te reposes toi. Onyx. Tac. Ça crame toujours là dehors? Vache. Ah, et puis ça crame, mais pas qu'un peu, hein. Bordel. Hop. Transporter urgence, hein. Hop. Qu'est-ce qu'il me dit qu'il peut pas les stocker? Scrognobique, il en fait quoi des autres? Bon, à la limite, hein, détail, unité. Il m'est détruit direct. Pour ça, il faut que je mette un artisan dessus. Dis-moi, il met de Célestine. Hop. Tac. Déchiqueter ma canoïde. Voilà. Ah, ça y est, il pleut. Ça va régler le problème. Putain. C'est hallucinant à quel point j'ai besoin d'énergie tout d'un coup, quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment ça qui m'a... Putain, énergie requise 400! What the fuck? Ah bordel! Ah bah ok, je sais comment économiser de l'énergie. Tu vas pas me le terminer ça. What the fuck? Oh. Alors, des mécaniques dormants. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Qu'est-ce qu'on a surtout? Bon, on n'a pas de mortier.
Déjà, ça facilite les choses. Facilité ne veut pas dire que c'est facile. Module mécanoïde. Qu'est-ce que je vais avoir? C'est dormant. Donc, il va falloir que je définisse une zone à éviter. Et donc là, la zone à éviter. Tac. Retirer à éviter, non, retirer zone à éviter. Donc tu vas m'éviter, s'il te plaît, toute cette petite zone sympathique. Histoire d'éviter de les réveiller prématurément. Tac. Tac. Et tac. Voilà, pour être sûr, tac, voilà. T'as une zone autorisée. Ça, tu peux y aller. Bon. Allez, ça tire, moi, ces saloperies. Hein. Ils sont tous dormants, là. S'active dans 0,3 heures. Ah non, ça c'est l'activité de proximité. Ils sont dormants pour combien de temps? Ah, il n'y a pas de limite. Donc à la limite, je les gérerai quand je voudrai. Bon, c'est déjà ça. Bon, tu vas vite tu as la tâche aussi. Tac. Ça, tu peux aller me le chercher. Célestine, t'es où? Célestine. Tac, va manger un morceau. Là. Bon. Bon, bon, bon. Alors, la stèle est faite. Mais je suis en train de me dire que dans une stèle, on peut pas. En fait, c'est juste une œuvre d'art. C'est un peu con ce que j'ai fait. Bon, en fait, il faut que je fasse un tombeau. C'est un peu débile. Un sarcophage. Sarcophage en marbre. Pour feu Ardarine. Minerai d'argent. Il y a pire. Hop. Ouais, je termine. Tiens, j'ai rituel de conversion. Sur. C'est moi, j'avais commencé à le 97%. Bon, bof. Heureusement. Allez, on va terminer là-dessus. On va faire un petit rituel de conversion pour Zmoï. Ah oui, une papillette, non, je peux pas. Ah, je peux pas puisque papillette est en train d'errer tristement. On dirait pas de nettoyer notre salle à manger, non? Ça, c'est quoi, 8 jours? Opportunité de deuil. Les mecs, ils bouffent, c'est tout dégueulasse. Franchement. Allez. Oui, je sais qu'ils sont là. C'est pas la peine d'insister, je suis au courant. Intox alimentaire, formidable. Avec des croquettes. Rajeunissement demandé, oui, bah tu vas attendre un peu. Score piquant aussi, Toshiro, putain. Hop.
qui d'autre là? Rajeunissement. Toucher ou servir Scorpicon. Bon, allez, bah écoutez, c'est pas grave, je vais arrêter l'épisode ici. L'épisode du drame. C'est tellement triste. J'espère que quand même l'épisode vous aura plu. Encore une fois, Ardarine, j'en suis bien désolé. Bah, je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Et ciao, ciao.